Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Imaginez que vous êtes à table avec un ami ou un collègue qui aime réfléchir, qui est vraiment intellectuel et qui aime se poser pas mal de questions. Et il vous pose cette question. Mais au final, pourquoi la foi chrétienne? Qu'est-ce qu'il y a de si pertinent dans la foi chrétienne? Comment est-ce que vous répondriez? Je dois avouer, je serais assez tenté de répondre en mettant en avant des choses qui lui paraîtraient sages, qui lui paraîtraient intelligentes, pour lui montrer qu'après tout, on n'est pas des fous en tant que chrétien. Mais j'aurais besoin de me rappeler que le message chrétien n'est pas sage selon ce monde, et qu'il ne le sera jamais. C'est ce que Paul montre dans 1 Corinthiens 1, les versets 22 à 24. Il écrit ceci. « Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Paul écrit dans un contexte où les gens cherchaient des miracles, des signes visibles, et où les gens s'attachaient à la sagesse, c'est-à-dire au beau discours qui semblait impressionnant, qui semblait bien ficelé, qui semblait profond. Mais le message que Paul adressait, que Paul annonçait, s'opposait totalement à ça. Il dit au verset 23, « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Le fait que le Messie soit crucifié, c'est effectivement un scandale pour les Juifs. Pour eux, le Messie, c'était un roi conquérant, un roi puissant aux yeux humains. Et la croix, un Messie crucifié, la croix, c'était un objet d'horreur, de honte. C'était réservé pour les parias de la société. C'est impossible, c'est scandaleux que le Messie soit crucifié. Et les non-Juifs, les Grecs, prenaient ça pour de la folie. Que le Messie soit crucifié, que les chrétiens s'attachent à un leader qui a terminé sa vie sur une croix et fondent toute leur vie sur ce leader. C'est une folie, c'est en totale opposition avec les discours impressionnants de la sagesse humaine. Et pourtant, Paul dit que, au verset 24, que ce message est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce message est la vraie puissance. Ce message est la vraie sagesse. Parce que par ce message, les êtres humains sont réconciliés avec Dieu. Quelque chose que ni les miracles, ni la sagesse ne peut donner. Alors voilà ce qui se trouve au cœur du message chrétien. Un scandale et une folie. Est-ce qu'on est conscient de ça? Qu'on paraîtra jamais sage aux yeux du monde? Le message chrétien ne paraîtra jamais sage aux yeux du monde? Et qu'on ne doit pas s'étonner que le monde nous prenne pour des fous? Mais qui nous prennent pour des fous pour des bonnes raisons, pas pour nos opinions politiques, nos opinions sur des sujets de société, notre comportement, mais pour des fous parce que le message qu'on met en avant, le message qu'on proclame, quand on répond à la question de nos amis, quand on mange avec eux et qu'ils nous posent une question sur la foi chrétienne, le message qu'on met en avant, c'est un message qui est fou. C'est un message qui est scandaleux pour eux, de Christ crucifié. Ne soyons pas étonnés et attachons-nous plutôt à notre rôle de mettre en avant ce scandale, cette folie devant les gens, parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver.